of my heart. I can't say no. It's ripping me apart. Hello tout le monde, ici Pulli Berry, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit du tag de YouIdols. Donc j'ai les questions sous la main, je vais commencer tout de suite avec la première question. Alors, quelle est la plus libre groove du maquillage que tu aimes le plus dans ta collection? Alors juste avant de répondre, juste pour info, sur mes 35 dolls, j'en ai 16 de John Planning et 19 de groove. Voilà, juste pour info. Donc la plus libre groove du maquillage que j'aime le plus, c'est Alia, ma plus libre d'Algie. Voilà, donc Alia, c'est ma préférée dans ma collection. Je pense que ça se voit. Je mets des photos partout d'elle. Ouais, donc voilà, c'est Alia, plus libre d'Algie. Ensuite, deuxième question. Quelle est la plus libre John Planning du maquillage que tu aimes le plus dans ta collection? Ah bah là, c'est Inaya, ma plus libre papin. Voilà, c'est la d'Algie et la papin, en fait, c'est les deux modèles que j'ai toujours rêvé d'avoir depuis que j'ai commencé les dolls. Elles sont toutes les deux là. Donc voilà. C'est mes deux modèles préférés. Troisième question, y a-t-il quelque chose de nouveau que tu aimerais créer pour tes dolls que tu n'as pas encore fait? Alors là, je vous avoue que j'ai déjà réfléchi à la question avant de commencer la vidéo et franchement, j'ai rien trouvé de nouveau. J'ai fait des eye chips, j'ai fait des bagues, j'ai fait des bracelets, j'ai fait des vêtements, quelque chose de nouveau, je vois pas trop. À la rigueur, ouais, faire une full custo moi-même. Ça, j'aimerais bien faire ça, mais il faudrait que j'achète tout le matériel et je sais pas si je vais y arriver. Donc c'est pas encore d'actualité, mais si je devais choisir quelque chose de nouveau, ça serait faire des full custo moi-même. Ensuite, quatrième question, y a-t-il une poupée dans ta collection qui incarne un personnage d'anime, manga, film, série, etc. que tu as? Alors oui, donc j'en ai quatre. Il y a Alice, qui incarne tout simplement Alice d'Au Pays des Merveilles. Ensuite, il y a Chesty, qui incarne le Cheshire Cat d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a Shinku, qui incarne Shinku du manga Rosen Maiden. Et Victorica, qui incarne Victorica du manga Gothic. Voilà, tout simplement. Ensuite, cinquième question. Pour ta collection, tu aimerais avoir une dollhouse plutôt sous forme de diorama ou plutôt un meuble avec des cases dedans? Bon, alors moi c'est pas compliqué, j'adore les dioramas, j'adore les dollhouse, mais malheureusement j'ai beaucoup de dolls et du coup, enfin malheureusement, c'est pas possible de faire des meubles en fait, j'ai pas assez de place pour ça, donc moi c'est juste un meuble avec des cases dedans, où je mets mes dolls debout, voilà. Sixième question, parmi une de tes plus libres de ta collection, une seule, chez quelle autre dolienne elle est ta préférée autre que la tienne? Donc un modèle de plus libre que vous avez en commun. Alors ben, moi ma préférée c'est Alia, ma plus libre d'Algie. Donc j'ai choisi la plus libre d'Algie de Laurine Pulip parce que c'est ma préférée dans sa collection. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Ensuite, septième question, tu aimes plutôt faire des photos dans un jardin ou chez toi? Moi je préfère faire les photos en extérieur. J'aime bien en intérieur, mais non, ouais, je préfère dans le jardin. Je trouve c'est plus joli avec la verdure, tout ça. Voilà. Huitième question, tu penses que la passion pour les dolls, tu peux la continuer vers environ quel âge? Alors là, franchement, cette question elle est un peu dure. Je sais pas du tout. Bon, je serai toujours passionnée jusqu'à ma mort, ça, de toute façon, ça changera pas. Mais après, la continuer activement, faire des vidéos, poster des photos, tout ça, je pense qu'à la trentaine, avec le travail, la famille, tout ça, ben, je pense que ça va un peu se calmer. Donc je dirais 30 ans, pour donner un âge, quoi. Mais je sais pas du tout. Neuvième question. En photographie, tu admires qui? Est-ce que tu aimerais arriver à son niveau? Voilà, je suis désolée, mais en photographie, moi, j'admire personne. Donc dixième et dernière question. Pour la doll que tu aimes le moins dans ta collection et que tu n'as pas de sentiment et d'attachement envers cette poupée, si on te propose 160€ pour te l'acheter, serais-tu d'accord? Alors déjà, la doll que j'aime le moins dans ma collection, c'est ma dalle Angélique Pretty Maretti, qui se nomme Daya. Donc je l'aime, hein, y a pas de souci, elle est très mignonne, mais ouais, j'ai dû en choisir une que j'aimais le moins et ouais, je pense que c'est elle. Enfin, j'arrive pas trop à lui trouver des vêtements non plus, donc
mais j'ai pas envie de la vendre. Donc oui, par contre, si on m'en proposerait 160€, là je dirais oui, direct. Mais pour l'instant, je la garde, je vais essayer de lui trouver une nouvelle tenue, tout ça, voilà. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ce tag vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Laurine Pulip et de Uidols en barre d'infos. Je vous mettrai l'Instagram de Uidols aussi. Et je vous mettrai les questions du tag en barre d'infos aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!